Bon, en guise d'intro, je vais quand même vous avouer un truc sur 1985, puisque je connais très bien cette année maintenant pour y avoir traîné au travers de nombreux streams, mine de rien, et y être toujours coincé. Hein. Comment ça, je proteste, je commence à me plaindre. Bah, vous me connaissez, moi, quand je reste trop sur une année, je m'enlise un petit peu, et 1985, c'était bien, pour les plateformes surtout. Pour les shmups, je sais pas, faudrait regarder sur les trucs d'œnologie, des Bordeaux, en 85, s'ils étaient bien. Les shmups, c'est pareil que les Bordeaux, hein, je le rappelle. Vous regardez les bonnes années de Bordeaux, vous avez les bonnes années de shmup. C'est le même truc. Et je pense que 85, c'était pas top. Ça devait être plateforme ou, je sais pas, autre chose, stratégie, va savoir, tour par tour. Youhou! Sur de l'arcade, c'est génial. Et donc aujourd'hui, on va se faire un shmup des plus détestables. Enfin, de mon avis, hein, c'est une opinion perso. Maintenant, vous emballez pas, ça se trouve, ça vous plaira. Qui s'appelle Mirax. C'est un de ces jeux qui use et abuse de l'effet 3D. Parce que c'était bien de faire un effet 3D en 1985 sur des machines qui peinaient à cracher entre 8 et 12 MHz et de faire croire aux gens qu'on faisait de la 3D. Le truc marchait parfois. On a eu Space Harrier, on a eu des clones de Space Harrier assez fabuleux aussi. Et puis, d'autres fois, ça vautrait quand même bien lourd. Et là, on va regarder ce Mirax qui, vous le verrez tout de suite, ne m'enthousiasme pas plus que ça, étrangement. Ouais, il faut bien vérifier tout là. Hein. Ah, Alpha Centaure, ils sont pas fait chier, ils sont venus au plus près, ils auraient pu aller vachement plus loin. Non, c'est sur nous qu'ils viennent direct. Et voilà. Et pour qui la grosse station orbitale? Elle est pour Bibi. Eh ben viens, on va te péter ta gueule, sale martien. Alors on a un espèce de shoot 3D, mais... Alors la musique, toute ressemblance avec un autre titre qui doit être sorti 2 ans avant serait purement pas fortuite. Hein. J'espère que vous avez bien le 5.1 à fond, non le 8.1, là je pense qu'on est en Dolby Atmos. Hein. Faut se slalomer, faut pas se prendre des trucs au sol. Oh là là, mais je vais jamais faire deux tableaux sur cette daube, moi. J'ai déjà oublié le nom tellement il m'effraie. Il me fait peur ce jeu. Je veux pas y aller. Non? Non. Non. Alors j'ai un bouton qui sert à rien et un autre bouton qui sert aussi à rien. Histoire d'être sûr. Et il faut tirer par terre, mais il faut tirer en l'air aussi, sinon tu te prends les... Dans ta gueule! Je vous fais voir hein, ce qu'il faut pas faire. Donc pour y arriver, maintenant faites exactement comme moi. Enfin, c'est une vue d'esprit. Hein. On va rester amis quand même. L'autre il tire des liftés quand même. Hein. Donc ça mélange un petit peu le tennis avec le shmup là. J'ai même pas une super bombe, mais c'est quoi ce bordel? Toi, je suis bloqué, ça y est. Qui me met une baffe pour me débloquer? Toi, t'as de la famille chez Space Arrière, c'est ça? Et oui, quand on me fait exploser, moi, tout sort d'un coup. Je suis énervé, je suis vénère, et on va être obligé de refaire une partie parce que je n'ai même pas fait les 5 minutes légales, je suis dégoûté, quoi. Vas-y, redonne mon calvaire. Oui, continue, je peux pas aller plus loin. Mets-moi direct au stage 5. Et on reste amis. Resterez tous d'accord avec moi que ce jeu est extraordinaire et qu'on va sûrement pas le mettre pour la peine dans les meilleurs jeux de l'univers. Vous serez à peu près d'accord aussi pour dire que... Comment dire? Ce jeu risque de ne pas échapper à une certaine répétitivité. Malgré son effet faïence qu'on explose, qui est tout à fait magnifique, qui rappelle les petites soucoupes à mamie qu'on allait prendre des...
des madeleines avec elle qu'elle trempait dans le thé à 4 heures. Et que ça sentait bizarre chez mamie. Mais bon, je voudrais pas ranimer des souvenirs douloureux chez vous. Vas-y, on va ton boss, on va ton boss. Je suis chaud là. On va rester amis quand même. Non, me remets pas là-bas. Ah, faut que je me méfie, il y a un truc que je n'ai pas vu arriver. Pourquoi il se barre, il revient plus? Ça y est, il me remet les... Mais vache. Mais rentre chez toi. Non? Tu ne fais pas ça. Ah, j'ai voulu de la 3D, j'en ai eu. Tiens-moi ça. Et heureusement qu'ils n'ont pas encore l'idée de tirer les Lascars. Hein, parce que je serais hyper mort. Mais... Voilà, c'est... l'effet de profondeur, là, on le cherche un petit peu. D'ailleurs, je me barre. Voilà. Allez, ciao, je vais dans un autre jeu. Cubert, t'as de la place? J'arrive. Ouais, ça scrolle plus vite. Le Z80 va commencer à fumer, là. Alors, la musique suit, hein. Pareil. Le gros noise, hein. Ça, c'est les prémices de la techno. On reconnaît bien, d'ailleurs, au rythme. Les mecs, tu leur rentres dedans, ils sont fous, quoi. Ils sont là, ils font « Non, mais regarde mes ailes, elles sont trop belles, mes ailes. T'as vu, moi, j'ai des ailes. Mais moi aussi, j'ai des ailes, qu'est-ce que tu m'emmerdes ?» Casse-toi, espèce de... Tu sais comment je les appelle, les gens comme toi? Qui parlent pas? Là, et qui font des gestes devant? Et qu'on comprend rien ce qu'ils veulent? Oui, tu sais très bien comment je les appelle. Alors, tu te casses. Con de mime. Oui, bah, il y avait un piège, je le savais, mais je voulais voir si... On va sortir de ce jeu. Non. Non. Non, 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 Mirax. Tu es dans la malle au grenier. Avec... t'es à côté de la malle des shmups. Moi, je te considère même plus comme un shmup. T'es même plus un frère, même plus un ami. Je... Mouchoir. Je suis déçu. Je m'attendais à un bon jeu. Un truc sympa et tout. Et voilà ce qu'on me donne. Je te quitte, Mirax. Adieu. Et vous, je vous donne rendez-vous demain à 19h dans un nouveau stream où on tentera d'être de bonne humeur. En attendant les deux playlists, celle-là et celle-là, à demain.